le premier semestre a été marqué par la poursuite des tensions géopolitiques et économiques. Dans cet environnement, AXA a généré à nouveau une très bonne performance. Elle reflète la pertinence de nos choix stratégiques, la solidité de notre modèle d'entreprise et le fort engagement de nos collaborateurs que je tiens à remercier pour leurs efforts. Notre activité commerciale a su maintenir son dynamisme. Nos primes et autres revenus atteignent 55,7 milliards d'euros en hausse de 2%. Nous avons également fait preuve d'une forte discipline technique. Notre ratio combiné en dommages est de 91% en amélioration de 5 points. Le groupe affiche un niveau de solidité au plus haut. Le ratio de solvabilité 2 est très largement au-dessus de notre objectif. Enfin, notre résultat opérationnel atteint l'excellent niveau de 4,1 milliards d'euros en hausse de 18%. Cette très bonne performance nous positionne idéalement pour atteindre notre objectif de résultat opérationnel 2023, soit plus de 7,5 milliards d'euros. Tout d'abord, je voudrais souligner nos excellents résultats en assurance dommage, notamment dans le segment entreprise, où les primes ont augmenté de 9%. Le résultat opérationnel est lui aussi en forte hausse de 54%. Ensuite, notre activité a bien résisté en vie et santé. Notre chiffre d'affaires progresse en prévoyance, en produits euro-croissance et en produits peu consommateurs en capital. Ces résultats témoignent de la qualité de notre business mix et de notre stratégie de croissance ciblée en vie et en santé. En 2023, AXA a continué à agir en faveur de la lutte contre le changement climatique. Pour la première fois, nous avons annoncé des objectifs de décarbonisation de nos portefeuilles d'assurance dommages. Cela concerne nos portefeuilles d'assurance automobile individuelle, ainsi que les émissions absolues de nos plus grands clients corporate. De plus, nous poursuivons la décarbonisation de nos investissements avec un cible de moins 50% pour notre actif général entre 2019 et 2030. Je tiens à remercier très chaleureusement l'ensemble de nos collaborateurs et nos agents. Ces résultats sont le fruit de leur engagement et de leur professionnalisme. Je suis particulièrement heureux de voir que l'indicateur clé qui permet de mesurer l'engagement de nos collaborateurs, le Employee Net Promoter Score, se lève à 37 points, en hausse de 2 points depuis 2022. AXA est très solide et bien positionné pour dépasser les objectifs clés de son plan Driving Progress 2023. Avec notre nouvelle équipe de direction, nous sommes à la tâche pour préparer le lancement de notre prochaine ambition stratégique. Vous l'avez compris, je suis très confiant pour le futur d'AXA.